Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sékouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela? Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné, c'est par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsqu'il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez, vous, la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait? Reprenez. Est-ce que c'est vous qui aviez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises? Le dernier mot, c'est trop dire, la concertation. Et si vraiment au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord, et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord avec, si nous sommes d'accord sur ces points-là, vous aurez pu donc démettre Diakité Aboubaka Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. J'aurais pu faire quoi? Le démettre de ses fonctions de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démettre de ses fonctions de aide de camp? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction. Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions. Je pouvais bien le faire. D'autres questions?